Re YouTube, allez, dernière session pour aujourd'hui. On entend des petits coin-coin. Qu'est-ce que c'est les coin-coin? Je ne sais pas. Et donc, la mort venue du ciel. Ça fait peur, ça. Hein. Ça fait peur. Et donc, on va rejoindre le Belvédère. En fait, c'est là où j'étais, Belvédère, en plus, non? Ah non, c'est un peu plus haut. Ah ouais, genre c'est un peu plus haut, ouais. Genre. Un chouïa plus haut, quoi. Mais c'était à côté de là où j'étais, parce que là, c'est là où j'ai cassé la gueule des animaux. Est-ce que je commencerais pas plutôt ici? Pour remonter par là. Là, il y a la fleur de métal, mais je pourrais à la limite la reprendre en redescendant, non? C'est quoi ça? Ah! En plus, il y a une statuette Banouk pas loin. Ah, ok. Et bah, vas-y pour téléportage ici. Parti. J'espère que je vais pas me faire défoncer direct là. Donc là, faut que j'aille en face, ouais. C'est une statue au milieu ou c'est c'en est un que je connais pas qui est énorme? Coureuse. Je connais pas ça. Où, petit lapin? Je vis dans le monde d'Aloy hein. Où les PLU et les clôtures n'existent pas. Allez, on va faire un truc. J'ai mal visé. Ah merde, oh, il m'a roulé dessus.
Ah, y'a un mec là-bas. Allez. Tout à l'heure, j'ai pas réussi à vous buter. Donc là, au moins. Cette fois-ci, j'ai réussi. Et les autres qui font caca là. Parfait pour un remède traditionnel. Voilà. Tout à l'heure j'ai pas réussi mais là j'ai réussi. Qu'à la base j'ai pas trop signé pour dessiner des clôtures. Ah c'est un peu comme dans tous les boulots, hein. Y a la partie, y a la partie sympa, il y a la partie moins sympa quoi. Je suis pas en train d'aller vers le bon endroit, c'est ça? Je suis totalement pas en train d'aller vers le bon endroit. J'en aurais sûrement besoin. Putain, mais c'est quoi là-haut? D'accord. Un raton? Encore un renard. Je peux même pas y mettre un stagiaire. Quel dommage. Quel dommage de ne pouvoir exploiter les stagiaires. Bon, on va décaler un peu, hein. Ah, ça sent un ravageur, c'est bien ce qui me semblait. Hein. J'ai proposé à Banshee, même à snobé. Alors là, je suis étonné. Ah, petit feu de camp. Ok. Bon, je vais continuer à avancer. Là-bas, c'est des machins à roues sur pattes, là, je sais plus quoi. Ah, est-ce qu'on se rapprocherait pas, là? Mais c'était c'était un raton ça. Oh yes.
C'est dur, mais j'ai l'habitude. Je sais plus pourquoi il me fallait un os de raton, mais... Quoi ? Pour des bruits chelous quand même. Hein. Renard, papinou. Attends, merde, j'ai oublié de le. Que je passe pas. Non, je peux passer par là, ouais. Je peux longer. Je peux longer les bords du Nil, là. Entre deux trucs énormes. J'ai les piétineurs à gauche là. Ils m'ont vu, ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas vu. J'ai envie d'aller au feu de camp là quand même. Il est où le feu de camp? Il est plus haut? Il est par là? Il est là. Ok. Bon, me v'la rassurer. Et non mais c'est ouf hein, y'avait... Il y avait tous les animaux du monde là, juste avant. Et là, il n'y a plus personne. Quoi ce truc là? Où y a ça? Ah ouais, mais effectivement, les oiseaux font chier, hein.
Ah. Ok, ok, vas-y, vas-y, vas-y. Merde. Mais c'est pas possible. Ah voilà. Eh mais tire dessus hein. Et toutes les flèches qui missent, bravo. Bravo. Merde. Hop. Allez vas-y. Petit coup critique là. Hop. Il est où le dernier? Il est là. Merde. Oh, tu pars pas hein? Pourquoi ces étincelles attaquent? Il faut que je parle à la personne qui dirige tout ça. Allez, faut que je ramasse déjà tout. Je ramasse des trucs bleus, c'est cool. Merci. C'est pas de la ferraille. Oh, de rien. Épuisé. C'est la troisième vague depuis ce matin. Ça se gardera. Impec. On est vraiment passé près de la mort. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse après sur la mission?
Arme, machin, truc, truc. Ça va me filer autre chose quand même. Ah oui, d'accord, faut que j'aille en haut. Iris. Ah, c'est peut-être ça qui énerve les oiseaux. On a vraiment failli mourir. Ah oui, heureusement j'étais là. C'est tout ce que je pouvais faire pour protéger ma famille. Mais zut, qu'est-ce qu'il veut que je fasse le jeu là ? Que tu sois à nos côtés. Je sais pas si comme ça. Je pense pas que c'est comme ça qu'il faut le faire, hein, mais. Ah bah non, il y avait juste une échelle, d'accord, ok. Tu es tombé du ciel et tu as sauvé nos misérables vies. D'où tu viens ? Un certain Akurt m'a prévenu devant le village. Ce traître ! Je lui avais interdit de bouger. Je vais le mettre au fer. Il est mort. Quoi ? Cette craquelure d'imbécile de vaurien qui me sert de frère. Pourquoi il n'a pas écouté ? Pourquoi ? Ah, ça, il a changé vite, hein. Il avait peur pour toute la ville, autant que pour toi. Tu as une idée de ce qui peut attirer les étincelles ? Quelqu'un est venu pour vendre des leurres ? C'est des appareils qui attirent les machines. Ça existe ? Ou c'est un genre de blague de Nora ? Je prends ça pour un nom. Il y a eu un changement qui aurait pu attirer les étincelles ? Vous avez laissé des restes de machines ? Non. Les Océram récupèrent tout, pas comme les Karja. Ils ne gardent que ce qui est joli. Les Karja laissent traîner des carcasses. Ici ? Jamais. Si un Karja cachait des pièces sous mes yeux, je les ramasserais. Et je les lui ferais bouffer. Pourquoi tu crois que les Karja ont un lien avec ces étincelles ? On a bâti cet avant-poste pour se protéger des Karja. Et voilà qu'ils viennent ici pour commercer. Bon, je vais pas cracher sur leurs éclats. Mais tout le monde sait qu'ils veulent cet endroit. Quand on y pense, ils veulent toutes les terres. Mais comment les Karja auraient amené les étincelles ? Si elles veulent bien me laisser tranquille, j'essaierai d'envoyer un de mes gars suivre la piste. Je te le parie, il va tomber sur un Karja au bout. Ah, une piste. Quel est ton rôle ici ? Une piste, ça c'est pour moi. Je suis le maire. En partie parce que j'étais trop saoul pour dire non quand mon frère m'a demandé. Putain, merde. Dis-moi où il est. Et j'irai l'enterrer une fois qu'on sera débarrassé de ces étincelles. Tu le trouveras un peu au sud, le long de la rivière. Quel imbécile. Vraiment, quel crétin. Merci d'avoir été à ses côtés. Tu veux que j'enquête sur ce qui pousse les étincelles à attaquer ? Tu as déjà beaucoup à faire. T'es sérieuse ? Personne ne me propose jamais son aide. T'es douée pour le pistage ? On peut dire ça. Bon, très bien. Tiens-moi au courant. Ma main au feu, il y a un Karja derrière tout ça. T'as trouvé quelque chose ? Pas encore. Mon conseil. Oh, il y a le truc qui fait quick là. Éteins-toi ! Éteins-toi !
Qu'est-ce que tu fabriques? Par le soleil, il ne s'arrête pas! Qu'est-ce que c'est? Je ne l'ai pas fabriqué, je l'ai trouvé dans un atelier. Quoi que ce soit, depuis qu'il est allumé, ses étincelles nous attaquent! Je ne sais pas quoi faire pour l'arrêter! Bah détruis-le, espèce de tête d'idiot! Bah voilà! Ah, c'est pas le plus malin, hein! Bon, ça devrait aller. Maintenant, explique-moi. Pourquoi prendre du matériel que tu ne comprends même pas? Mes clients exigent des pièces extraordinaires, toutes issues des confins de la civilisation. Le récit de mes aventures augmente encore leur valeur. Là où les autres n'osent s'aventurer, je prospère. Aucune montagne n'est trop haute pour que je l'escalade. Mon métier exige des sacrifices. Y compris le sacrifice d'innocents? Ces étincelles se sont mises à attaquer tout le monde. Je n'ai jamais voulu provoquer ça. Je voulais juste assouvir l'appétit de grands bourgeois qui ne quittent pas leur palais. Tu as trouvé cet appareil dans un atelier? Oui. J'ai campé au sommet de la crête de l'Est enneigée. J'aurais déjà eu bien du mal à grimper dans ma jeunesse. Mais j'ai enfilé ma... Ça suffit. Est-ce qu'il y avait d'autres appareils dans cet atelier? Du matériel abandonné, comme je n'en avais jamais vu. Dont un silo étrange qui a obstinément refusé de se laisser ouvrir. En fouillant, je me demandais combien de secrets peut bien receler ce monde. Tandis que nous autres ignorants vaquons naïvement à... Et donc? Oh. Non, je n'ai pas vu d'autre appareil. Mais il pourrait y en avoir un sur le point de semer le chaos. Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que tu savais depuis le début que cet appareil attirait les étincelles? Par le soleil, non! Je l'ai rangé ici un moment, mais quand je suis revenu, j'ai failli me faire décapiter par un de ces monstres volants. Cet appareil est dangereux. Il faut que je trouve cet atelier pour m'assurer qu'il n'y en a pas d'autre. Où est-il? Sur la crête de l'Est, juste après mon campement. Mais une fois que j'ai eu quitté l'atelier, un craquement en hauteur a retenti annonçant ma perte. J'ai plongé dans la rivière quelques secondes avant que l'avalanche n'emporte la piste. On ne peut plus y accéder. L'accès est devenu trop dangereux. Je vais prendre le risque. Ne t'approche plus de cet atelier et évite de causer d'autres problèmes. Bon, des bisous Yoran, merci d'avoir été là. J'espère que le jeu te plaît. Donc faut que je... Oh. Je continue de monter donc. J'avais pas une autre quête dans le coin là? Là non, la mort venue du ciel. Bah non. A dit que l'atelier était près de son campement sur la crête de l'Est. Alors du coup il faut que je ressorte de la ville. Je vais peut-être sauvegarder quand même. Ah, pas le temps. Je me suis encore planté, c'est pas possible. C'est pas possible, j'y arrive jamais. Hein. Est-ce que je peux pas monter par là? Eh, speedrun hein.
C'est calme par là, c'est bien. Ah mais toute cette modélisation qu'ils ont faite quoi, c'est ouf. Ça a été combien de temps le développement du jeu ? J'en aurais sûrement besoin. Le développement a commencé en 2011, le jeu est sorti en février 2017. Oh là là. 6 ans quoi. De ce que j'ai lu, ouais, le moteur de jeu a été repris par merde, le truc de merde, comment ça s'appelle le jeu là, vous savez, ils avaient concept depuis 2010, d'accord. Le moteur du jeu a été utilisé sur ça y est, je l'ai plus. Il y a un monstre qui vient de passer devant moi. Comment ça ? Ah, ça m'écorche. Décris l'autre jeu. Mais c'est c'est le jeu à la con là où on transporte des caisses. Et il y a Genius qui va trouver en 2 secondes. Vu qu'elle trouve tout le temps. Death Stranding, banco. J'adore, je t'adore. Hein. Ah là là. Merci Genius, je t'adore. Toujours là pour trouver toujours là pour trouver les jeux auxquels je pense en juste 3 mots. Avec les pires descriptions, avec les pires descriptions à chaque fois tu trouves les jeux. Hein. Elle est très forte. C'est moi ou lui, il a l'air plus balèze que les autres. Pourquoi lui je peux pas le scanner? Pourquoi j'ai l'impression que j'ai un gros? Je me dis GG à moi-même. Ah bah oui, mais tu as raison. Tu mérites. Parce que vu les descriptions que je fais à chaque fois des jeux et que tu arrives à trouver, tu mérites. Tu peux venir chercher l'araignée que j'ai pas eu le temps de capturer chez moi s'il te plaît, je te donne des bâtons en échange. Ah non non non. Je n'accepte que les bâtons dans le jeu. Il va essayer de me casser la gueule à un moment, non ? Non ? Ah non.
Ah. C'est bon. Il y en a un qui s'est vénère. Vas-y. Non mais non mais oh, il reste tellement pas long temps au sol. Elle est énorme, je te jure, savoir que ça se balade. Là, je peux pas. Même Nuba a compris que c'est un truc qu'elle cherche. Tellement rapide, mais elle est rentrée par où? Après, c'est pas grave, hein, on va pas tout... Alors, je sais que voilà, l'arachnophobie, oui, non, ça se contrôle pas. C'est un peu con de ma part de dire, mais non, mais de toute façon, elle va rien faire, quoi. Mais. Tu sais qu'il y avait rien de faire en fait. Je vis porte ouverte et fenêtre aussi. Ouais, non mais moi aussi, mais. Mais il y a des gros. Il y a des gros piou-piou là. Pourquoi il y a des gros piou-piou dans le jeu? Oh, regardez, je suis tout en haut. Putain, c'est beau. Putain, c'est beau. Ça se trouve c'est moi au-dessus du sous-sol. Ça se trouve. Peu de camp découvert, ok, cool. L'atelier ne doit plus être très loin, à condition que j'arrive à contourner l'avalanche. Je suis... Ah oui, d'accord. Ah non, non, ok, je suis pas encore tout en haut. Je pensais que j'étais tout en haut, mais en fait pas du tout. Y'a un truc là. Non ? Facile quand j'étais petite. Hop là. Allez à l'œil. Oh c'est beau. Ces petits ralentis là c'est sympa. J'aime bien. Ah non, mais il y a les gros oiseaux qui vont me tomber dessus, c'est obligé.
Non ! Merde. Eh ben, disons. Et on me fait tomber. Et merde. Et merde. Et merde. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié qu'il faisait ça. Ok. Eh mais j'aurais pu la pirater en fait. En fait, la première j'aurais pu la pirater. Mais merde, ils sont barrés. Ah, le v'là. Et merde. Évidemment. Oh, il se barre derrière. Le salaud. Ah, faiblesse au... ouais c'est ça. Faiblesse au feu hein. C'était assez évident. Ok. Il y a Rabia qui est en train de me faire un petit délire là.
Oh là là. Faire quoi ce con? Ah bah oui, bah évidemment. Oh, mais je... Mais c'est infernal, je coince dans tous les rochers. La vanne. La vanne. La méga vanne. Y'a l'autre qui m'a vu ou pas là? Merci Christou, merci beaucoup pour le raid au moment où, où je vais fail en boucle je pense. C'est lequel le mien? Mais y'a mon mien qui est en train de se faire buter? Voilà. Très bien. Coucou le Tetril. Bienvenue. On est sur Horizon. Et là j'ai vu un gros oiseau. C'est ça, y'a rien à voir ici. J'ai vu un très gros oiseau. Ah oh, mais putain mais qu'il est con. Il me marche dessus ce débile. Il a réussi à descendre. Ah mais c'est mon copain. Merde, finalement j'ai buté mon copain. Merde.
Ça y est, il a encore fait quelque chose. Et salut Chris O'John. Non, nous on est venu pour voir la win. Ah bah je vais essayer, hein. Je vais essayer, mais je promets rien. Bon déjà, je me suis moins fait toucher que tout à l'heure. Mais je promets pas. Hein. Parce que le piou-piou, il est balèze. Hein. Vous allez voir. Je m'éclipse, mais je suis naze. Parce que je suis naze, mais des bisous. Et ben merci beaucoup encore pour le raid. J'espère que ton stream s'est bien passé d'ailleurs, Chrisou. Et puis, de toute façon, au pire, on se retrouve vendredi. Et ça, c'est cool. Parce que oui, le saviez-vous, vendredi, on joue avec Chrisou. Tous les deux. Bon. Je parie que c'est un leurre qui a attiré cet oiseau tempête. Si je le trouve et que je le détruis, la machine repartira. Oh! Je pense que je suis passé pas loin de la mort là. Non. Aïe. Aïe, merde. Non.
putain, mais il est increvable son truc là. Ah oui, attends. Ah, c'est mon copain ça. Non. Non. Oh, c'est pas mon copain. Eh, si je crève à cause de lui, je suis dégoûté hein. Hop hop. Voilà. Voilà, tu vas au moins faire ton malin là, c'est bon. Et B. Du calme, du calme. Que je crève maintenant. Hein. Déconnons pas. Hein. La neige est glacée par ici. Le voilà, le leur. Ah bah c'est bon. On s'occupait. Voilà, il n'attirera plus de machines. Occupons-nous maintenant de cet atelier. Je ne sais pas qui est ce Derval, mais j'ai l'impression qu'il s'est fait pas mal d'ennemis. Et c'est mérité. Je n'ai plus qu'à retourner prévenir Belvedere. Et bah le gros oiseau, c'était pas rigolo hein. J'en ai nouveau deux là. De toute façon, je peux me téléporter. Voilà, je vois pas pourquoi.
je me ferai chier à faire la route dans l'autre sens. Manquer de crever. Quel cauchemar. Pourquoi le... Pourquoi le personnage, il avait la voix de Frédéric Mitterrand? Tu seras ravi d'apprendre que j'ai trouvé et détruit un autre leurre. Tu ne devrais plus avoir de problème. Par le feu et la braise, tu t'es vraiment donné du mal. Comment tu sais qu'il n'y en aura pas d'autres? L'atelier où je l'ai trouvé est abandonné. C'est bon. Bien. Mes hommes tenaient à te cracher dans la main, comme l'aurait fait mon frère. Au nom du Belvédère et de ma famille, mille merci. Bon alors combien de, d'XP là? Ah, pas mal. Et boîte de récompense extraordinaire. Trop bien. Hop hop. On va quand même les ouvrir les boîtes. Ah en plus. Sacoche de ressources pleines. J'ai pas vu. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord, oui, ça je me rappelle, ça y est. J'ai pas vu un truc de Dancy passer là? Dans les trucs que j'ai récupérés? Ah, c'est l'anti de Dancy, merde. Les tenues, celles que je veux. Oh, celle-là, je l'ai. Ah non, mais brise-flèche. Ah, je débloque des trucs au fur et à mesure où je découvre les différents... Oh là là, mais ça y est. Tout devient clair, évidemment. Ça, le cœur de Dancy, c'est pour avoir l'arc de l'ombre, ouais. Ça serait tellement cool. C'est les frondes que j'utilise. Oh, je sais plus. Attendez. Inventaire, les armes. Fronde. Ah, c'est ça, ouais. Donc, à la limite, je pourrais acheter une fronde de meilleure qualité. Enfin, une plus balèze. La fronde explosive de l'ombre, par exemple, voilà, là, elle est. Elle a l'air d'être fifole. Mais. Ah, voilà. Par contre, elle fait que des trucs explosifs. Alors que la fronde de l'ombre, là. Elle me fait le froid, l'électricité et le feu. Non, puis je vais vraiment attendre pour mon arc, quoi. Par contre, ouais, qu'est-ce que je peux... Attends, j'ai... Je suis blindé, quoi, mais... Je peux pas mettre ça dans une caisse?
Y a pas de caisse dans le jeu ? C'est où celui-là ? Ah, c'est de l'autre côté, ouais, d'accord. Ah, je peux voir un projo ici. Ah, j'avais une... Ah, d'accord, les deux oiseaux tempête là, ce qu'ils gardent en fait, c'est une fleur de métal. D'accord, ok. On s'amuse, hein. Ah, on s'amuse, hein. Là, j'aurais pu récupérer la statuette. Mais je pense qu'on va récupérer la statuette et puis ça sera le dernier truc pour aujourd'hui. On va y aller, c'est là. C'est bien les montagnes parce qu'il n'y a jamais personne. Hein. On est plutôt au calme. Hein. Enfin, mis à part les gros piafs là. Mis à part les très gros piafs d'ailleurs. Voilà, en vrai là j'y vais pas hein, parce que ça ressemble à vraiment une plaque à une plaque d'avalanche quoi. Donc moi, je l'aurais pas fait. Hein. Ok, donc. Ah voilà, bah c'est juste là. Hop, impec. Allez, les, je vais me téléporter. Ça va être trop bien, vous allez voir. Ça va être trop bien. Ça en a fait, ça en a fait, ça en a fait. Donc on retourne sur le truc principal. Je l'ai fait lui. Bah non, je l'ai pas fait. Oh. Oh, j'ai même pas vu le truc de chasse. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux arnaquer ?
Ok, donc faut continuer par là quoi. Est-ce que je peux descendre par là? Ah oui, c'est par là qu'il fallait venir normalement. Je vais le noter. C'est risqué ça. Hein. En bas. Bon, il le faut de quand là, tu me l'actives ou pas? Merci. Oh, mais encore des piafs là, il y a que des piafs, c'est chiant. Chiant les piafs. Par contre ça fait partie de ces jeux où on peut pas s'arrêter quoi, c'est dingue. Dès que vous faites un truc, vous dites moi c'est le dernier hein, c'est la dernière quête hein. Finalement... C'est jamais la dernière. Allez à l'œil, tu peux le faire. C'est bien. Ah ? J'ai peur, c'est con. Ok. Alors foiré. Il s'est bien planqué ce con, enfin il a bien contourné quoi. Très malin. Je suis trop chargé. Oui ça je savais. Mais j'ai pas la compétence encore. Et voilà. Bah si, je l'ai déjà. J'ai trop de ressources. Et ça, on va le vendre. Non mais vaut mieux vendre des... Enfin, vaut mieux déglinguer des trucs, voilà, vers du désert. Et là, décomposer. Ah non mais, décomposer en plusieurs quoi. Merci. Voilà, super. Et pareil, vas-y, on décompose. Allez.
Nice. Tiens, petite potion de santé, ça fera pas de mal. Bonne nuit, Johanna. Merci d'avoir été là tout le long du stream. Ça fait très plaisir. Et merci pour les tuyaux aussi que tu me files sur le jeu. Hein. Ça m'aide. Jamais, ça peut servir. La 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 la. Souvent devant les creusets, il y avait cette ouais, un tracker et un veilleur rouge. Il est là. Comment je fais pour... Bon, maintenant j'ai plus le choix. Hein. Ah merde. Oh non. Le jeu a été tellement sympa. Le jeu nous a remis devant quoi. Allez hop, on va sauvegarder. Et puis on va s'arrêter là. Hop. Une petite sauvegarde manuelle histoire de... Allez c'est bon. On est bien. Des bisous. YouTube, je vous aime.